Allez, notre rendez-vous Tour de France des fêtes. Notre rendez-vous Tour de France des fêtes. Réfléchir. Écoutez-moi ça. Donc, la création monétaire par la Banque centrale, elle permet de payer le chômage partiel, de faire des PGE pour soutenir les entreprises qui, sans ça, auraient dû fermer boutique, permis de faire des investissements publics, etc. Et moi, je dis que pour demain, nous avons devant nous un sujet transition écologique. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça. En gros, on estime à 4 ou 5% du PIB annuel sur 50 ans le coût complet de la transition. Il va bien falloir la financer. Nous sommes aujourd'hui, compte tenu de ce qui s'est passé, dans un système néolibéral, post-maastrichtien, en Europe en tous les cas, où tout le monde est endetté. La BCE, les derniers chiffres de la BCE, les ménages dans la zone euro, 98% de taux d'endettement par rapport à leur revenu. Les entreprises, 80%. Et je n'hésite pas, évidemment, la dette publique, je ne vais pas y insister, tout le monde l'a en tête. Donc vous voyez bien qu'on est dans un système d'endettement généralisé où tout le monde se tient un petit peu par la barbichette et où le rôle de la politique monétaire n'est plus du tout le rôle qui était le sien jadis quand on était grosso modo adossé à un stop d'or. C'est plus du tout ça. C'est sans la création monétaire, on est dans le collapse économique. Et pourtant, pas d'entrée dans le trou. Et pourtant,